Alors, nous sommes arrivés vers 6 heures pour le lever du soleil. Et c'était vraiment magnifique. Comment vous dire, un moment qu'on a trouvé fabuleux. Magnifique, grandiose, émouvant. C'est vrai que l'édition n'a lieu que tous les deux ans, donc les gens ont plaisir à se retrouver. Mais là, le plaisir est surmultiplié. Personne ne pensait qu'on y arriverait. Et finalement, on y est arrivé. C'est une configuration un peu différente, avec des règles qui sont dures, à la fois Vigipirate et le Covid. Mais depuis vendredi, on voit qu'il y a du monde, beaucoup de monde. Donc finalement, les gens se vaccinent. Les gens acceptent les tests sur place. C'est ça, c'était hyper sympa, il y avait plein de ballons et avec le vent, les conditions météo, c'était top. L'atterrissage, ça a été drôle, on a atterri dans un champ avec quelques lignes de foin, puis on a fait quelques rebonds, mais ça s'est très bien passé, on a fini légèrement couché, mais c'était drôle et aucun blessé, rien. Il n'y a aucune sensation de vertige ou quoi, on ne ressent pas la vitesse non plus. Je sais que nous, on a été jusqu'à 20 quelques kilomètres heure, on n'a pas l'impression, on a l'impression de flotter. Et puis là, comme on était très léger, on a pu monter et descendre. Il y a un moment, on a frôlé un champ, c'était magnifique. Je crois que cette année, on avait particulièrement besoin de rêver. C'est pour ça qu'il fallait absolument que ça soit organisé. C'est vrai qu'on capitalise sur la durée, hein, 32 ans, au même endroit ou presque, à part les deux éditions sur l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. On est là depuis 1993. Les réseaux sociaux, les médias, bien entendu, français, internationaux. On a de la chance et puis on a surtout, on est porté par le public lorrain et le public aujourd'hui du Grand Est. C'est leur manifestation avant d'être la nôtre. Et ça, c'est important, on est rentré dans le patrimoine.